qu'est-ce qu'il fait chaud. Il est 13h. J'ai cramé les ruches que j'ai récupérées hier. Pour rucher des perdrix, je les ai bien nettoyées. Je les ai remis en place là. Je les ai fermées, tu vois, par exemple la 59, la 23 là. J'ai mis des cadres, une partition. Je les ai bien flambées. Et c'est prêt pour l'an prochain, tu vois. J'avais enlevé la caméra là. Il est temps de faire ça parce que je te jure, je suis, mais alors comme une truie rose. Hein. J'ai le t-shirt trempé. Bon, ça fait du bien, tu vas me dire. Mais... en plus, ça prend un coup de chaud. Hein. Oh là, tu tombes. Même toi, t'as chaud. Bon. Comme tu as vu dans l'autre vidéo, bah, l'orpheline, j'ai passé sur 5 cadres, j'ai récupéré un cadre plein de sirop et de pollen qui va partir dans une caisse, dans un essaim, hein, pas dans une colonie en production, bien sûr, il y a du sirop. Hein, on va pas... J'ai préparé celle-là pour la 40, là, celle-ci qui est orpheline. Alors écoute, on va tenter de greffer... on va tenter de greffer avec une hausse. Hein. Voilà. Ouh. Alors, là on est sur une buck de fret 2019. Bah écoute, les bucks, ouais, elles n'ont pas fait grand chose. Il n'y en a qu'une qui a une hausse là. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elles ont eu. Ça leur a pas plu le coin. Enfin, je sais pas, c'était trop pauvre. En même temps, il n'y a personne qui a fait quelque chose ici. Hein, donc, pas plus une caucasienne qu'une buck et qu'une noiraude. Il va pas t'enflammer dans une chapelle, dans une gare de chapelle. Oui, les noirs, ils en seraient mieux sortis. Peut-être, peut-être pas. Écoute, toutes les abeilles font du miel hein, à un moment. Alors. Oh là là, elle est sur une tonne de cadres, qu'est-ce qui lui arrive? Orpheline encore, celle-là aussi. Non, là, j'ai des rennes qui pètent, hein. Je sais pas pourquoi, mais... Bon, ben, non seulement je vais pas lui mettre des cadres, mais en plus je vais en enlever. Je vais partitionner, voilà. Boy, 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 boy. Là, tu vois, ça va beau être un cadre récent, il va dégager. Allez, on va regarder ce qui se passe. Bon, déjà, c'est dégueulasse, il faudrait nettoyer un peu. Elles sont toutes chiantes aujourd'hui, hein, pourtant. Les conditions sont bonnes, je sais pas, ou c'est moi qui sens là, le chameau. C'est pas impossible. Hein. Tu vois qu'elle va être orpheline celle-là aussi. Ça lui ressemble. Hein. Bon alors là il s'est mis. Parce que là il n'y a personne hein, dans la caisse hein, comme tu vois. Il n'y a personne, elle ne se construit plus. Compte. Voilà. Je vois des œufs. Ouais, il y a des œufs. Il y a des œufs. Je les vois pas, mais moi je les vois. Des œufs verticaux. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'en sais rien. Ouais, elle s'est mise. Quelqu'un devrait retrouver des. Bon, bah ça va être une bonne occasion de récupérer une 10 cadres. Et de toute façon, 5 cadres. Bizarre. Très bizarre encore. Très spécial.
Alors vu le nombre d'abeilles, qu'est-ce qu'on peut faire? On reste là-dedans, se refaire là-dedans. On aurait bien profité pour nettoyer la caisse, on va faire la semaine prochaine, tu sais quoi. Un cadre avec de la pompe, hein, quand même. Celui-là. Celui-là, donc s'il y a de la ponte, la rame devrait traîner par là. Ah ouais, il y a des œufs. Il y a des œufs. Écoute, je sais pas, je ne saurais pas te dire là. Hein. Je ne saurais pas te dire s'il a essaimé, mais bon. Ces mages étaient de la désertion aussi, hein. Parce que si vraiment les conditions sont nulles, mon colonie peut très bien se barrer pour aller trouver mieux ailleurs. Hein. Alors, ça c'est un cadre qui est plein de sirop et de pollen, elles vont les nettoyer. Je les mets à côté de là où il y avait la ponte. Là c'est pendu aussi. Bon, écoute, on va laisser ça. Ouais, tout est pendu là. Enfin, tout est pendu. Si, si, mais c'est pendu, c'est des œufs quoi. Quand t'as le soleil qui tape bien dessus, là tu les vois bien. Hein. Je suis comme tout le monde, hein. Je les vois pas super bien. Il faut vraiment des bonnes conditions, le soleil qui tape dessus pour que tu les vois. Hein. Bon, ouais. Je ne sais pas. Selon moi, ça a essayé. Pas besoin de nourrir, hein. Il y a du sirop de partout. Ah, du sirop, du nectar, hein, d'ailleurs, je sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'elle est sur trop de cuivre. Ça, c'est pas pour nous, hein, par contre. Le nectar, on va rapprocher des amorces, mais si on a un cadre sec, genre ça, voilà, elle pourra pondre là-dedans. Ça, on va en faire une rive parce que c'est plein de nectar. On va partitionner à côté. Ça, ça va dégager. Ça, ça va dégager aussi. Il est bâti, allez, je le laisse. Je le laisse. Je le laisse comme ça. Si elle arrive à l'hiver à neuf, ça sera bien dans une partition et je mets ce cadre là et le reste, ça va partir. Dans un essaim qui se développe. Voilà, bon bah écoute, hein, c'est. Je sais pas si elle a essaimé ou si la reine a canné et qu'il y a eu un remérage. Sans que je m'en aperçois. C'est une reine qui a merdé quand même. Du début à la fin. Hein. Bon, je pense pour un remérage quand même. Non. Bon. Bah voilà. On la laisse sur 11 cadres bâtis, une partition. Et si elle arrive à remonter sur 8, elle y arrivera puisque ça pond. Hein. Ça sera une colonie qui produira 2021. Hein. Je vais noter nouvelle reine, je pense, hein, parce que c'est vrai que les reines de Fred, c'est des gros steaks, on les voit. Bon, bah Fredo, ouais, hein, désolé, mais c'est peut-être moi qui te l'ai écrasé aussi. Hein, si tu veux. Des choses qui arrivent. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Hein.
Allez, poussez-vous là. Oh, aujourd'hui, elles sont toutes un peu chiasses, hein, je sais pas pourquoi. Non, pas de sirop, hein, t'as vu, il y en a plein les cadres, là, il faut qu'elle réorganise, voilà, la 11.